Pour le public qui est venu en direct à Boulogne ce soir. Oui. Jean-Louis Aubert. Jean-Louis, Jean-Louis Aubert, Anko comme Kolinka. Alors Jean-Louis, moi j'aurais beaucoup aimé t'inviter, j'avais prévu de t'inviter dans quelques semaines pour que tu fasses ici la plupart des titres de l'album Plâtre et Ciment. Là je crois que c'est carrément rappé puisque à minuit on nous arrête le courant, il n'y aura plus une chaîne musicale en France. Tu pars sur les routes là toi pour nous présenter cet album? Ouais, on va jouer au Bataclan à partir du 5 mai et puis on part sur les routes en septembre en province. Mais on va faire des petits concerts surprises avant. Plâtre et Ciment, ça veut dire que Jean-Louis Aubert a toujours gardé la main dans la pâte. Qu'est-ce que tu as voulu nous dire en appelant un album Plâtre et Ciment? Je bouge mes trous et je reconstruis ma maison.
Bon, bah nous, c'est ce qu'on a intérêt à tous faire. Je crois qu'avec nous vient d'arriver le batteur des Ablettes. Alors donne-moi des nouvelles de tes camarades, puisque j'ai reçu un télégramme de Philo me disant on pourra pas être là, mais le batteur sera là, il fait le voyage et vient. Où ils sont? Philo et Bébec sont dans les bras de leur fiancé. Oui. À Fumel. Ils étaient un peu dépités là de voir que TV6 c'était fini. C'était un peu con parce que nous on a fait un clip avec vous. Oui. On est venu à Tap Tam 2-3 fois. Mais je crois que très bientôt là il y aura une autre chaîne musicale parce que TV6. Bah, s'ils la veulent. Ils ont montré que c'était indispensable. Bon, Jean-Louis Aubert, à toi aussi, merci. Je voudrais accueillir quelqu'un que vous avez déjà vu ici. Ça avait été un grand moment de bonheur. J'aimerais savoir, être sûr qu'elle ait besoin du microphone. Non, je voudrais que ça se passe comme elle a envie. La dernière fois, on lui avait fait une sacrée galère. Si je vous dis que la dernière fois qu'elle est passée à Tam Tam, j'ai caressé... Qui ?